promis. J'essaye. Le solo. La sonnerie avec la grosse cloche. Oh, je ne... Non. La petite, puis après je rajoute la grosse. Ce sera très très court. La grosse cloche. Voici pour la sonnerie. Donc la petite cloche ne met pas beaucoup de temps à s'arrêter. Donc là, je vais vous montrer la sonnerie de l'Angélus. Je vais vous mettre un extrait de l'Angélus. Enfin, avant l'Angélus, je vais improviser un carillon, un petit carillon des séries de Tintin. Alors, je fais du mieux que je peux pour les carillons. Parce que c'est un peu compliqué. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est compliqué. Bon. 3, 2, 1. Voilà à quoi ressemble un petit carillon que j'improvise le soir ou le midi. Donc maintenant, je vais sonner l'Angélus, que j'essaye de sonner tous les soirs ou tous les matins en fonction de mes disponibilités. Parce que je vous rappelle que l'année scolaire n'est pas finie et que je ne suis pas là le midi, car je suis demi-pensionnaire. Donc j'entends des fois, enfin non... C'est compliqué, mais je ne vais pas vous donner plus de détails pour la préservation de ma vie privée. Alors, je pose ici le temps de remettre les palmes. Je sais ce qu'il y a. Je sais pas si je vais bien être. Je vais bien ici. Je ne pense pas, mais bon. C'est ce l'endroit que je trouve pour pouvoir sonner
de cette façon ma cloche. Alors, est-ce que l'orage? Je ne sais pas. Bon, je remets bien la corde. Alors, allez, on va en droit. Alors, je vais vous montrer comment nous sommes l'Angélus. Des personnes ont trouvé que je le sonne mal, mais bon, je fais pause. Donc, alors, voilà, donc, alors, maintenant avec la petite, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle obstrue un peu. Voilà. Voilà, donc l'Angélus s'est terminé de sonner. Oh là, oh non. Oh non, mais purée. Mais pourquoi ça se coince? Oh, ça m'énerve. Savez-vous pourquoi ça se bloque? Pourquoi la corde se bloque dans les pattes? Le savez-vous? Moi, je ne sais pas. Bon. Au revoir, mes amis campanophiles.